Bienvenue dans l'Ondé, le podcast de lecture. Dans ce livre audio, je te lis le Horla de Guy de Maupassant. Tu es à l'épisode 3, bonne écoute 19 juillet Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser, le sage dit, peut-être. 21 juillet J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie, mais au sommet du mont Saint-Michel, mais dans les Indes. Nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe, je passe mes journées à regarder couler la scène. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres, la nuit, dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Quel est le coupable Bien fin, hein, qui le dirait 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je ne puis plus douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles, j'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais, à deux heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se pliait, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se cassait, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était ce bien une hallucination? Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée entre les deux autres roses demeurées à la branche. Je rentrai chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui y habite comme moi sous mon toit. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant, tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues, comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain leurs pensées, Touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné résonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essayent de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes. Et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil est vérificateur parce que le sens du contrôle est endormi tandis que la faculté imaginative veille et travaille ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi des hommes à la suite d'accidents perdent la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres ou seulement des dates les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment? Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie. Pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé. Et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver, dans ma maison, une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien, et je demeurai plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi. Mes pieds me regardant, me pénétrant me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. Neuf août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller, je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple, sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen, je n'ai pas pu. Pourquoi? Azoute. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas. Il ne veut pas et je reste éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis, tout d'un coup, il faut. Il faut, et il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-il un Dieu S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi. Secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. 15 août. Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine, quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs elle subissait un vouloir étranger entré en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasitée et dominatrice. Est ce que le monde va finir? Mais celui qui me gouverne, quel est il, cet invisible? cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle? Donc les invisibles existent? Alors comment, depuis l'origine du monde, ne se sont ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi? Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvée, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup, et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh Quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit Allez à Rouen Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et. J'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Erastos, sur les habitants inconnus du monde antique et moderne puis au moment de remonter dans mon coupé j'ai voulu dire à la gare et j'ai crié je n'ai pas dit j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison et je suis tombé affolé d'angoisse sur le coussin de ma voiture il m'avait retrouvé et repris août ah. Quelle nuit, quelle nuit! Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu. Hermann Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde et que, le sentant proche, et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit là autrefois. Pas de lune, les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes? Quelles formes? Quels vivants? Quels animaux? Quelles plantes sont là bas? Ceux qui pensent dans ces univers lointains. Que savent ils plus que nous? Que peuvent ils plus que nous? Que voient ils que nous ne connaissons point? Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne, délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, Ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis je vis oui, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table aussi, à ma lampe, Tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma, comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleine main les battants. Donc, il s'était sauvé. Il avait eu peur, peur de moi, lui. Alors demain ou après ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens quelquefois ne mordent point et n'étranglent pas leur maître? 18 août. J'ai songé toute la journée. Oh, oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort, mais une heure viendra. Si cette histoire t'a plu et que tu souhaites en écouter davantage, je t'invite à t'abonner au podcast de Lecture de l'Ondée pour ne rien rater. Sinon, N'hésite pas à venir interagir dans les commentaires, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce livre audio. A très vite, ciao